Yes, hi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors pour moi aujourd'hui c'est la journée randonnée, vu que depuis ce matin il pleut. C'était la journée pluvieuse, les Ardennes pluvieuses, mais là il y a des éclaircies. Donc on est le samedi 1er juillet et il est 14h39. Et je suis au Champ Bernard. Alors, il y a un petit peu de fumée qui sort, hein, vu qu'il y a eu de la pluie. C'est magnifique. Et donc dans les anciennes vidéos, je partais d'en bas et je montais au Champ Bernard, puis je redescendais. Et aujourd'hui, je vais continuer sur ce chemin. Alors, il y a la Grande Web, je ne sais pas si on dit comme ça, hein. Mais après par contre, il y a Linchamp. Et moi, j'ai jamais été à Linchamp. Donc, je vais essayer d'arriver jusqu'à Linchamp. Il y a 3,4 km. Donc, c'est une bonne rando de samedi après-midi. Et puis, c'est parti. Rastafari. Bon, et bien, regarde-moi ce sentier. On n'a pas dû l'emprunter beaucoup de fois, celui-là. Là, je suis hyper reculé. Dans la forêt, hein. Il n'y a pas un bruit, écoute. Il y a un seul oiseau. Et j'ai déjà les pieds trempés. Les chaussettes aussi. Je vais être encore plus trempé. Mais c'est la rando sous la pluie. Je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux, la rando sous la pluie. Enfin, là, ça va, je n'ai pas trop à me plaindre, hein. Il pleut presque pas. Fleur rose. Ok. Mais quel plan. Mais quel plan. On se croirait dans un dessin animé. Ça vient de tomber là. Je me suis mis à l'abri. Et le soleil est apparu. Tiens, le retour des petits oiseaux. Et je crois que le soleil... Il prévenait qu'ils vont retomber une. Ce décor de dessin animé. Bon, je me suis clairement trompé de chemin. Moi, j'ai carrément fait du hors-piste là. C'est vraiment un petit sentier, en fait je me suis trompé de... J'ai suivi des trucs rouges et blancs là, des signaux. C'était pas ceux-là. Et du coup, impossible de remonter. Là. Parce qu'en fait j'ai mis ma voiture, je m'étais un peu avancé, je l'avais mis un peu avant le Champ Bernard. Mais là, je vais devoir retourner à Nouron, remonter tout. Oh. Et donc il y a une route en bas, donc je pense que c'est la route qui va à Linchamp, et à mon avis là je suis arrivé à Léaute-Rivière, je vois un petit peu d'eau là-haut, ici, à mon avis ça doit être, c'est un petit cours d'eau, ouais je vais aller voir, bon c'est la première fois que je me perds. Comme ça, je vais filmer pour la vidéo, là où il y a une route en béton. Mais j'ai l'impression que c'est chez quelqu'un. Et là, il y a un étang de ouf. Et donc, le sentier ne mène à rien. Il y a cet arbre-là qui est marqué. Et ben, je ne peux pas descendre par ici.
Donc je suis arrivé sur une butte là. Ah si, je vais descendre par là. Mais là, ça m'amène clairement chez quelqu'un. Sinon, faut que je me suive par là. Bon, j'ai un clip à tourner. Je pense que je vais le tourner ici. Parce que je remettrai pas les pieds là. Au moins comme ça sera ce mètre carré là des Ardennes qui sera exploité pour une demi-vidéo. Moi, bon, je vais trouver la solution. Je te parle d'amour et je te parle de haine, je te parle de Timel et je te parle de Mamzelle, je te parle de Lion qui dénonce le système, je te parle du Zion, destination que j'aime, je m'adapte au tempo et j'aborde les thèmes armés d'un poème pour soigner les âmes en peine. Bang 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 bang. Hey, ma gamme fil béni pour chauffer la place. Ah oui, John Locke, c'est béni pour m'achoppe le mic. Un son qui respire comme autant des vinyles. Des lyrics pas molles, un système rebelle massif. Tandis que la maison de disque est accordée en bémol. On pense que c'est un sentier, mais depuis combien d'années? C'est vraiment un merdier. Je me suis vraiment foutu dans un merdier aujourd'hui. Ah. Oh putain, il y a un trou. Accroupi, tu s'accroupis. Ça donc c'est pire après. Maman! Putain de merde. Il y a quatre pattes. J'ai vu des papiers par terre. Mais... Ça dit c'est la civilisation, mais c'est de pire en pire. Et la route, elle est juste là, putain. Chier. Je peux avoir plein d'épines au froc. Oh la vache. Ça, c'est de la rando, mon pote. Oh non, putain. Fais chier. Quel merdier. Bon, et bête demi-tour. Les minutes passent. Ça va bientôt faire une demi-heure que je suis dans ce merdier. Et impossible de trouver un chemin potable. Là, je vais arriver chez des gens à tous les coups. Dans leur propriété, parce que c'est une genre d'usine, je sais pas quoi. À tous les coups, il va y avoir des putains de chiens. Aïe, ma main, putain, les épines. Aïe 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 aïe. La poisse. La poisse. Oh, j'ai vu que je pouvais descendre, mais c'est mon seul truc, hein. Je vais arriver chez les gens et puis voilà. C'est pas grave. Bon, c'est mon seul espoir. La route qu'il y a là-haut. Là, les gens, ils sont en train de faire du kayak. Et j'entends un chien qui aboie. Donc bah, c'est tout, hein, je vais leur demander. Bon bah du coup je suis atterri dans le gîte. Hein. Donc c'est la personne. Hein, tu vois, les portes se ferment. C'est la personne qui m'a. Et qui m'a raccompagné. Ok, bah je vais continuer vers Alain-Champ, hein, parce que mon sentier devait aller à Alain-Champ. Et bon bah, oh quel merdier toi. Ah les épines, les trucs, elles vont bien. Oh la vache. Bon, rien à voir, mais tu vois les bornes sur les routes comme ça, les petits poteaux là. Et ben on croit qu'ils sont petits. Mais moi je fais 1m74. Donc ils sont quand même mastoc, hein. Purée. Et sinon je suis arrivé à Alain-Champ. À 16h15, je suis épuisé. Enfin, je pense qu'il faut que je retourne là-haut, faire une bonne pause, casser la croûte, et puis c'est reparti. Bon, ça me fait bizarre de visiter un nouveau village dans les Ardennes parce que je les ai quasiment tous faits. J'ai l'impression d'être dans un autre pays. Attention, la vue d'ensemble de Alain-Champ. Donc ouais, c'est le dernier village avant la frontière. Hein.
La Neuville-Aué, il faut que j'y aille. Je vais aller me poser dans l'église si elle est ouverte. Et visiter un peu le village. Et puis, c'est tout parce que je n'ai plus de place dans le portable. Bon, ben voici le petit chemin par où j'aurais dû arriver. Donc, ben je vais le prendre pour rentrer du coup. Et maintenant, je sais. C'est fou, hein? Tu crois savoir, mais en réalité, tu ne sais pas. Bon, les forestiers, les gens des Ardennes, là. Foutez des putains de pancartes, bordel! Là, je me suis paumé parce qu'il n'y a pas de pancarte. Ça fait 1 heure que je marche de la merde là parce que, heureusement que j'ai mis Maps. Parce que ça fait longtemps que j'essaie de mettre Maps, mais j'ai pas de réseau. Donc, putain, foutez des pancartes, Jean-Bernard, bordel! Je me suis encore paumé sur le retour. Là, je rentre par la route, j'aurais même pas assez d'énergie pour rentrer de Longchamp jusqu'à Nohant et ensuite monter jusqu'à Champ-Bernard. Rechercher ma putain de bagnole. Foutez des pancartes, putain, on sait pas où on est. Après, vous allez dire, ouais, il s'est perdu, il fallait le chercher en hélicoptère. Et bah ouais, foutez-nous des putains de pancartes, bordel! Bon, on va découvrir l'erreur que j'ai faite tout à l'heure. Les limaces. Eh ben, moi j'ai suivi la route tout à l'heure et en fait il fallait tourner là. À moins qu'il y ait un chemin que j'ai loupé par là. Mais il n'y a rien d'indiqué, il n'y a pas de pancarte. Le seul truc que je vois, moi, c'est le truc jaune là-haut sur l'arbre. Bon, bien sûr, avec le soleil, on va dire, t'es un menteur, il n'y a pas de truc jaune. Mais si, il y a un truc jaune. Bref. Et il continue sur les arbres là-haut. Sacré rando, hein. Ouh, ça va faire du bien. J'appréhendais de repasser par la route et de remonter jusqu'au Champ-Bernard. Oh non. Merci, Jah! Rastafari! Miss Missa, Cinderella Vanille. Sur un G-Funk F-Cali. Oh oui, je te sers un mi-check, baby. À la vanille. Donc ça vaut pour un peu plus d'amour. Hey, wow. Voici la mise avec un style sexy qui trompe l'œil. Vanillée et politique alors qu'elle ne donne pas l'heure.